avec mon amoureux. Aujourd'hui, c'est spécial, on est jeudi et Raph ne travaille pas parce qu'il m'a fait une surprise. On s'en va à l'auberge du Portage passer un séjour en amoureux pour ma fête. Fait que je suis vraiment, vraiment contente, c'est une belle surprise qu'il m'a faite. Ça va tellement être relax, romantique et parfait. Il est content, le petit sourire en coin, là, il est bien fier de lui. Ça fait genre 3 semaines qu'il prévoit ça pour nous. Je suis vraiment, vraiment contente. On a eu quelques embûches pour faire garder Léa, mais tout est bien qui me vient. Donc voilà. Je vais faire un vlog. Je vais vous emmener avec nous. En même temps, ben, nous, ça va nous faire un beau souvenir. Donc, je suis toujours contente de garder ça en souvenir. Et regardez ça dans 10 ans, hein? Dans notre jeune temps, on avait été à telle place. Hein? Fait qu'en tout cas, ouais, fait que je vais vous emmener avec nous. Je sais pas trop ce qui m'attend. Je me suis pas mal fait vanter cet endroit-là. C'est comme l'auberge du Portage, c'est un prix par nuit, par personne. Puis t'as des repas d'inclus. Puis habituellement, tu peux avoir des forfaits aussi avec des soins. Nous, malheureusement, il y avait comme plus de place pour des forfaits villégiature et tout, là, parce que c'est vraiment en fin de saison. Puis il y a quasiment plus de place. Mais on a été super chanceux qu'on a réussi à avoir des massages. Fait qu'on se fait masser tantôt à 4 heures. Donc là, il est midi et demi. On va arriver là-bas. On va prendre le temps de dîner. Ensuite, on va prendre possession de notre chambre. Et on va aller profiter des bains, des spas. Et on va se faire masser. Ça va être tellement ressourçant. Et il paraît que la nourriture est incroyable. Puis le resto est vu sur le fleuve. Fait qu'en tout cas, je vous emmène avec nous dans cette belle fin de semaine. On peut pas dire fin de semaine parce qu'on est jeudi. Mais c'est un petit séjour et c'est tellement beau là, je vous montre ça. Quand on s'en va dans le coin de Notre-Dame du Portage, là on passe à côté du fleuve là, puis la route est tellement magnifique là, c'est magnifique. Voilà, on vient d'arriver, regardez comment c'est beau, c'est genre une petite maison. Oh, c'est tellement cute. On a le resto. On vient d'arriver, c'est tellement beau, ça n'a pas de bon sens. Puis là, on s'en va dîner. J'ai vraiment hâte de voir le resto. Oh my god, je capote, c'est tellement beau, ça n'a aucun sens. Yeah. Pour dîner, j'ai pris un pad thai aux crevettes. Raph a pris la même chose que moi. Ça va être vraiment bon. L'entrée était délicieuse, puis je pense que je reviendrai jamais de la vie. C'est juste trop beau. Je mange un délice à l'ananas. C'est tellement bon, ça n'a aucun bon sens. Raph, il mange une petite mousse au chocolat. Ou au chocolat, aux fraises. Mais ça, là, je pourrais en manger 15. Oh, c'est bon! As-tu un commentaire à dire sur ton séjour? Est-ce que t'es content? T'es-tu fier de toi? Ouais. J'ai le goût de te donner un avis. Je t'aime. Merci. Je t'aime, t'es cute. On s'en va au massage? Je suis vraiment excitée. Je filmerai pas, mais... Je ne vais pas montrer la chambre non plus, c'est assez. C'est ce qui... On est rentré dans la chambre, qu'est-ce qu'on a dit, Raph? Ça va faire la job. C'est ça. Hein? Ouais. C'est pas le gros luxe, la chambre, par exemple. Mais bon. C'est ça, ça va faire la job. Let's go. Bye! Bon, donc je reviens de mon massage.
voyage. Et c'était vraiment, vraiment ressourçant, vraiment relaxant. En plus, c'était comme la vue sur l'eau. Et là, je chill dans le divan en relaxant. Parce que là, dans le fond, en ce moment, il est comme 18h. Il y a du monde qui arrive pour le resto, puis nous, on est en peignoir dans le hall. Je m'en fous tellement. Mais notre souper, nous, était à 19h45 parce qu'on a dîné vraiment tard. Fait que là, j'étais comme, bah, je veux qu'on chill puis qu'on prenne le temps de prendre un petit verre avant de souper. Donc, c'est chill. Puis là, c'est sûr, il va falloir que je m'attache les cheveux à soir parce que elle m'a mis de l'huile dans le fond de la tête. Là. Mes cheveux reluis, tu vois ça? Aïe, aïe. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que t'as été faire? Raph, il me regarde, il fait. Essayer ton huile dans les cheveux. Comment ça va? Ça sent bien? Ah oui. Raph, ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu de massage, je pense. Oh, qu'est-ce que c'est? Fait que. Puis quand je le faisais masser, là, je me suis fait masser les pieds. Puis là, j'étais là, c'est sûr que Raph, il va rire, puis ça va le chatouiller. Puis là, il me dit, ouais, j'ai même ça, ça m'a chatouillé des mollets. J'étais là, mon Dieu. Mais ça fait du bien. Fait que là, on va manger quelque chose de vraiment délicieux. Je vous montre le menu pour ce soir. Ça va être insane. Notre repas pour ce soir. Sans cuisiner, sans arrêter dans les trois pauses station-service. Une fameuse chose, hein, à l'huile, au gaz ou à l'électricité. C'est à départ pour notre souper. Lilou, monte ton kit. T'es beau. Ok, on vient d'arriver au resto. Pour un moment, c'est magnifique. Il neige. Oh my god, j'ai goût de faire mes décos de Noël. Santé, mon amour. Raph a pris une terrine de canard que je vais assurément goûter. Ça a l'air tellement bon. Et moi, j'ai pris les croustini. Ça a l'air vraiment bon. Mais j'ai un œil. Hein? C'est mon appel, le mariage. Oui. Oui, c'est vrai. C'est une rillette de canard. Vraiment. Mais moi, j'ai un œil sur le tien, là. Côte de porc et poitrine de canard. Montre-moi donc le bon côté. C'est très chaud. Waouh! C'est tellement beau. Je termine avec la tarte au chocolat. Toi, chérie, t'as quoi? Crème brûlée. Crème brûlée. Montre-moi donc comment c'est croquant. Casse-la, casse-la. Colin, toi, t'y arrives? Ça a l'air incroyable. Juste au fait que tu sois capable. Allez, elle a l'air épaisse. Oh mon Dieu! Ça va être bon. Ma tarte au chocolat. Ça va être bon. Moi, je suis genre la plus grosse bébé de la sucre de l'univers. Donc, ma tarte au chocolat me... Oui, c'est bon? Bon, fait que bonne fin de soirée. Et on se revoit demain. Le souper était incroyable. La braise dans le feu. C'est trop cute. Ben, y'en a tous les oeufs. Oui. C'est vraiment beau ce matin. T'as des beaux yeux. T'es pas à l'aise, hein? Non. On a vraiment une belle petite tasse au bord de l'eau. C'est vraiment le fun. Si je me veille, on a l'air crème. Fait qu'il faut pas que je me veille. Oui, on a pris le repas de pain de riz au sirop d'érable. C'est vraiment cute. Verdict. C'est bon. Oh. Le plancher, il est pas croche du tout. Jusqu'au fond. Tot. Ça pourrait être ta miniature. On va se promener sur le bord de l'eau. On vient de faire le check-out. Salut toi! Oh, c'est beau! C'est beau! Je pourrais prendre des belles vues et mettre une petite musique cute. Je pense que je vais faire ça. C'est trop beau! Coucou! T'es malade de ces jours? Ouais, c'est pas bien. C'est trop beau! Si
il est pas chaud! Il est pas chaud! Oh, on voit toute la véranda ici, c'est trop beau! Parfait. Donc, merci mon amour, c'était. Puis,